Kent, l'éléphant. J'adore cuisiner. Cuisinons, cuisinons, cuisinons. Mélangeons, mélangeons, mélangeons. Miam! Je me demande quelle est cette délicieuse odeur. C'est presque fini. Wouhou! Voyons voir. Pour le rendre parfait, ajoutons un glaçage au chocolat. Allez, Luc! Fouettons, fouettons, fouettons. J'ai hâte. Et c'est fait! Wouh! Quelque chose sent délicieusement bon. C'est parti! Wouhou! Waouh, Kent! Ce gâteau a l'air si délicieux! On peut en avoir? Je veux du gâteau! Je veux du gâteau! Je veux du gâteau! Moi aussi! Nous devons apprendre à partager. Alors partageons le gâteau de manière égale. Comment fait-on? Comment puis-je diviser ce gâteau également? Je vais le diviser en quatre parties. Une part pour Moumou. Une part pour Luc. Une part pour Tim. Et la dernière part pour moi. Maintenant, nous avons tous une part égale du gâteau. C'est merveilleux. Miam, miam, miam. C'est toujours bon de partager. Hey, Momo, c'est ton anniversaire. Tu ne fais pas une fête? Non, Luc, je n'ai pas vraiment envie de faire la fête. Oh, pourquoi Momo est-il si triste? J'ai une idée, je vais lui organiser la meilleure des fêtes surprises. La première chose dont nous avons besoin pour une fête d'anniversaire, c'est un gâteau. Je vais faire un gâteau délicieux aux fraises. Ah, et c'est fait! Waouh, je suis sûre que Momo va l'adorer. Mon gâteau rose a l'air délicieux, non? Waouh, un super gâteau! Est-ce que je peux en avoir? Non, Kent, c'est pour l'anniversaire surprise de Momo. Tiens, tu peux mettre des ballons. Regarde, un ballon bleu pour la décoration. Salut les copains, ça a l'air super! Regardez, j'ai apporté des chapeaux de fête orange. Ils sont trop cool, non? Momo est là! Surprise! Waouh, c'est incroyable! Merci les copains! Voilà ton cadeau, Momo. Regarde, c'est une boîte verte. C'était une super journée et on a appris les couleurs aussi. Un gâteau rose, des ballons bleus, des chapeaux de fête orange et une boîte cadeau verte! Ouais! J'espère que tu t'es bien amusé. À la prochaine fois! Sur le lit, pomme tombée se cogne la tête. Citrouille appelle le docteur et le docteur dit: Abracadabra.
Maintenant tu es rouge. Quatre petits fruits sautent sur le lit. Orange tombe et se cogne la tête. Citrouille appelle le docteur qui apporte des pansements. Abracadabra, maintenant tu es orange. Trois petits fruits sautent sur le lit. Banane tombe et se cogne la tête. Citrouille appelle le docteur qui dit bonjour. Abracadabra, maintenant tu es jaune. Deux petits fruits sautent sur le lit. Poire tombe et se cogne la tête. Citrouille appelle le docteur et le docteur crie. Abracadabra, maintenant tu es vert. Un petit fruit saute sur le lit. Les uns tombent et se cognent la tête. Citrouille appelle le docteur qui vient en renfort. Abracadabra, maintenant tu es violet. Aucun fruit ne saute plus sur le lit. Personne ne tombe et ne se cogne la tête. Citrouille appelle le docteur et le docteur dit: remettez sur le lit tous les petits fruits. Je suis dans un verger magique. Tu viens avec moi explorer le jardin des fruits? Oui? Alors on y va! Waouh! Des pommes! Si brillantes, roses et rouges! Une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mangeons-en une chaque matin. Une pomme chaque matin éloigne le médecin. Manger va jouer. Quoi d'autre? C'est une orange! Les oranges tombent de l'oranger. Les oranges toutes oranges. Si juteuses, si acidulées, elles sont parfaites. En plein de tailles, grosses ou petites. Orange! C'est merveilleux! Ensuite, la banane! Banane, banane, un fruit délicieux. Jaune et goûteux, un adorable fruit. Ça te rend fort, intelligent. Si tu aimes les bananes, chante cette chanson. Waouh, c'est trop bon! Qu'est-ce que tu veux après? Une fraise? Bien sûr! Allons en trouver! Fraise, fraise, où es-tu? Je suis là, je suis là. Comment vas-tu? Milkshake aussi. Les fraises, c'est mes préférées. Ouais! Regardons tous les fruits collectés dans le panier. Pomme, orange, banane, fraise. Trop bon! J'espère que tu as aimé les fruits. Continue à me regarder. Moi, Kent l'éléphant. D'ici là, salut! Salut les amis! Je suis Kent, l'éléphant. Oh! Waouh! Ces fruits et légumes sont tout mélangés. Séparons-les. Qu'est-ce que c'est? C'est une fraise. La fraise est un fruit. Les fraises sont si savoureuses! Qu'avons-nous ensuite? Une aubergine. L'aubergine est un légume.
donc? C'est une mangue. La mangue est un fruit. J'adore les mangues. Qu'avons-nous ici? Un brocoli. Le brocoli est un légume. Et qu'avons-nous ensuite? Une poire. La poire est un fruit. Qu'avons-nous ici? Un chou. Le chou est un légume. Qu'avons-nous ensuite? C'est une betterave. La betterave est un légume. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une pomme. La pomme est un fruit. Et moi, j'aime les pommes. Qu'avons-nous ensuite? Une citrouille. La citrouille est un légume. Ah, plus qu'un seul. Qu'est-ce que c'est? Une orange. L'orange est un fruit. Oui, bravo! Nous avons trié tous les fruits et légumes. Coucou, je suis Kent l'éléphant. Et je suis sur un bateau. Nous avons atteint l'île au trésor. Youhou! Trouvons le trésor. Où est le trésor, les amis? Où il est? Oh! Une bouteille! Avec un message à l'intérieur! Regardons! Dessine un fruit! Wow! Ça dit de dessiner un fruit ici! Que devrais-je dessiner? Pouvez-vous deviner? Oui, c'est une pomme. Elle est tellement juteuse et savoureuse. Dessinons un autre fruit. Qu'ai-je dessiné cette fois, les amis? C'est une poire. Dessinons un fruit de plus. Quel est ce fruit? C'est une banane. J'aime les bananes. N'oubliez pas, les enfants, les fruits sont très bons pour la santé. À bientôt pour une prochaine aventure. Bye! Bonjour à tous, je suis Kent, Kent l'éléphant, et je reviens tout juste du marché. J'ai fait des courses de fruits et légumes, c'était tellement amusant. Mais il y a juste un petit problème. Mes fruits et légumes sont mélangés. Je dois les trier et j'ai besoin de ton aide. Tu veux bien m'aider? Yay! Oh bien merci, commençons. Celui-ci est rond et rouge. Une pomme! C'est définitivement un fruit. Oh, une carotte! C'est un légume. Oh oh! Continuons. Oh, une orange. C'est un fruit. Définitivement un fruit. Bon travail. Oh, une aubergine. C'est un légume. Excellent.
c'est un brocoli. Le brocoli est aussi un légume. C'est ça, les enfants. Super, merci. Fraise, oh, ma préférée. Fruit. Oui, merci, les enfants. Épinard, qu'en pensez-vous, les enfants? Oui, c'est un légume. Légume vert et à feuilles. Chou-fleur, c'est aussi un légume. Et voilà. Oh, une grappe de raisin. C'est un fruit, c'est sûr. Oh, une banane. C'est aussi un fruit. Une courgette. C'est un légume à coup sûr. Une pastèque. Ça, c'est un... c'est un fruit. Waouh, tu as trié tous les fruits et légumes dans le panier de fruits. Dans le panier de fruits, j'ai une pomme, une banane, une pastèque, une fraise, raisin et une orange. Et dans le panier de légumes, j'ai brocoli, carotte, chou-fleur, épinard, aubergine, courgette. Wouhou! Je suis prête à faire une délicieuse salade de fruits et une super salade et des légumes. C'est parti! Au revoir! Salut, je suis Kent. Kent, l'éléphant. Et j'adore les fruits. Je vais en ramasser. J'aimerais beaucoup que tu m'aides. Yay, allons-y! Attends une minute. Quel est ce fruit? Et où est-il? Ah, je me demande quel fruit rentre là-dedans. C'est une banane? Non, ça ne rentre pas là-dedans. Pourquoi pas une pastèque? Non, c'est trop gros. Ça pourrait être une pomme? Oui, c'est parfait! Bon travail! Merci pour ton aide! Voilà toutes les pommes dans ma brouette! J'adore les pommes! quel est ce fruit? Qu'est-ce que cela pourrait être? Quel fruit pourrait aller dans cet arbre? Pourquoi pas une orange? Non, c'est trop rond. Ça n'a pas l'air juste. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça pourrait être une pastèque? Oh, non, c'est trop gros. Ça a l'air un peu long. Pourrait-ce être du raisin? Non, ce n'est pas la bonne forme. Ça doit être une banane. Voyons voir, oui, c'est parfait. C'est un bouquet de bananes. J'adore les bananes. Maintenant, voilà les bananes. Et maintenant? Oh! Elles ont l'air grosses! Et elles poussent sur le sol! Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce une pomme? Non! Souviens-toi que les pommes poussent dans les arbres! Ça pourrait être une banane? Non! Les bananes poussent aussi sur les arbres! Peut-être une pastèque? Oui, ça pourrait être ça! Oui, c'est une pastèque! Bon travail! Merci, les amis! Allons les ramasser dans une brouette! Yay! Waouh! Qu'est-ce qui va avec ça? Il y en a beaucoup, beaucoup! Je me demande quel fruit ça pourrait être! Essayons ça! Ça ressemble à une pomme! Non, attendez une minute! On a déjà fait les pommes! Mais ça ressemble un peu à une pomme. Peut-être une orange? Je pense que ça pourrait être une orange. Oui, c'est rond comme une orange. Parfait. On l'a fait, les amis. Bien joué. Allons les ramasser dans notre brouette. Wouhou! J'ai hâte de manger tous ces fruits délicieux. Qu'est-ce qui pousse sur cette branche?
Essayons... Pourquoi pas une pastèque? Souviens-toi, ça pousse sur le sol. Peut-être pourrait-ce être une orange? Non, c'est trop gros et on vient d'avoir une orange. Peut-être des raisins? Une grappe de raisins? Oui, une grappe de raisins pousse sur une vigne. C'est parfait! Bien joué! Miam, miam! Je vais avoir un tel festin de salade de fruits! Il y a tous les fruits que nous avons trouvés! On a tous eu une pomme, une banane, une grappe de raisin, une orange et une pastèque! J'ai hâte de manger ma salade de fruits! Ça va être génial! Je vais y aller maintenant! Au revoir! Abonnez-vous et regardez plus! Kent, l'éléphant!